Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve sur le test de Popeye 2 sur Game Boy, édité par Activision, développé par Copia System, sorti en 91 au Japon, 93 aux USA et seulement en 94 chez nous. C'est la suite de Popeye, sorti en 90 au Japon exclusivement, donc un jeu qu'on n'a pas forcément connu. On va lancer une partie, je vais vous parler un petit peu de Popeye. Vous voyez, l'histoire recommence, hein. Je vous parlais de l'histoire, je vous parlais de Popeye, je vous parlais des épinards et je vous parlais du jeu évidemment. On est parti. Run 1-1 de Popeye. Donc, je vais jouer un petit peu et en même temps, je vais vous expliquer quelques petits trucs sur Popeye. Donc, Popeye, qu'est-ce que c'est que Popeye? Vous connaissez tous, hein, évidemment. C'est une BD et un dessin animé qui a vu le jour, alors que je dis pas de conneries, pour la première fois dans une BD en 1929. Et en 1933, ils ont commencé à faire des dessins animés, essentiellement au cinéma. Évidemment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé. Hein. Ils ont fait des dessins animés. Hop, le gros point. Paf, toi, tu dégages. Dessin animé de Popeye, donc, qui a eu un immense succès. C'était pas gagné hein, pour ce héros qui est tout sauf un super-héros. Bien éloigné des stéréotypes de l'époque en termes de super-héros, comme Superman, etc. Donc, les beaux gosses, bodybuildés, etc. Popeye, c'est plutôt... c'est plutôt quelqu'un qui a un physique assez ingrat, puisqu'on retrouve... il a les avant-bras proéminents, il marche comme un canard, et... j'ai réussi. Hop. Il marche comme un canard, il a les avant-bras proéminents, il a un œil explosé, d'ailleurs son nom vient de là. Hein. Popeye, on dit pas, normalement on devrait dire Popeye, Popeye qui veut dire œil explosé en fait, parce qu'il a un œil plus gros que l'autre. Il fume une pipe de maïs... il fume une pipe de maïs, il marche comme un canard, ça je vous l'ai dit, il a les coudes qui ressortent, enfin bon, voilà, les personnages en Popeye sont pas spécialement beaux, hein, quand vous prenez Olive, et tout sauf, enfin il est carrément moche, hein. Mais bon, le public s'est pris d'affection pour ce marin, pour Popeye le marin, Popeye the Sailor Man, qui est le nom d'une des séries dérivées, et à moi, malgré le fait qu'il soit bien éloigné des standards de l'époque. Donc il faut savoir qu'encore aujourd'hui, là où on pense que Popeye, c'est un personnage qui fait partie du passé, puisque c'est plutôt des choses que nous, on a déjà vues quand on était petit, mais au jour d'aujourd'hui, ça a été remplacé par toutes les licences modernes. Et pourtant, la licence Popeye, en termes de produits dérivés et autres goodies, etc., les t-shirts, les tasses, tout ce que vous voulez, ça produit encore un chiffre d'affaires
qui est évalué. Merde, j'ai raté la porte. Qui est évalué. Alors, je vais essayer de la voir de là. Qui est... Merde. Bon, c'est pas grave. Qui est évalué à 1,5 milliard de dollars par an. C'est énorme. C'est énorme. À noter que la licence Popeye, le personnage de Popeye, qui a été créé donc en 1929, est tombé dans le domaine public en 2009. C'est 80 ans en Europe. Il est tombé en 89 dans le domaine public canadien et 99 dans le domaine public européen. Par contre, aux États-Unis, il est toujours pas dans le domaine public. Pour des raisons, comme d'habitude avec les Américains, c'est un petit peu comme avec Mickey. Faut savoir que les Américains, tout ce qui est dessin animé, etc., licence à succès, comics, etc., dès que ça menace de tomber dans le domaine public, vous avez les lobbies et les producteurs qui font pression pour que la date butoir soit repoussée, en fait. Ça a marché pour tout ce qui est œuvre Disney, c'est pour ça que malgré son âge avancé, le personnage de Mickey n'est toujours pas tombé dans le domaine public. Tout simplement parce que ça représente beaucoup trop de pognon. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des épinards. Les épinards, la croyance populaire veut que les épinards soient très riches en fer, beaucoup plus riches que tous les autres légumes. Ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Ça vient d'où ça, cette croyance? À la fin du 19e siècle, en 1880 ou 1890, merde, je fais n'importe quoi. En 1880 ou 1890, il y a deux chimistes allemands, chacun de leur côté, qui ont produit des erreurs, des écrits d'erreurs sur les épinards, en attestant que l'épinard avait une teneur 10 fois supérieure en fer que les autres légumes verts. Et 10 fois supérieure à la valeur qu'il a réellement. C'était un problème d'écriture, c'est-à-dire que tout simplement c'est une erreur de virgule. Hein, ça a été mal reporté. Et du coup, c'est quelque chose qui a perduré pendant à peu près 40 ans. Jusqu'à ce qu'en 1937, ça soit prouvé par un autre chercheur qui a tout simplement démontré que les épinards n'avaient pas une teneur en fer plus importante que les autres légumes, que la laitue notamment. Hein, vous prenez une bête salade verte, elle a autant de fer que dans les épinards. Voilà. Donc, et ça, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est passé relativement inaperçu. Alors, la légende veut que ce soit parce qu'il y a eu une pression des producteurs de Popeye, ce qui est tout à fait possible. Mais ça, il n'y a aucune preuve qui a été apportée. Une pression de la part des producteurs qui fait qu'on n'a pas dévoilé la vérité avant 1981. Dans une célèbre revue médicale, il y a eu une publication expliquant tout simplement que les épinards ne contiennent pas plus de fer que la laitue. Mais aujourd'hui encore, vous avez énormément de gens qui pensent que les épinards sont très riches en fer. Et ça fait 3 fois que je loupe la porte secondaire. J'espère que je vous en montrerai au moins une. Voilà, donc il n'y a pas plus de fer dans les épinards que de beurre au cul, j'ai envie de dire. Mais bon. Bon, c'est pas grave, on va passer par là. Mais bon, ça, vous le saviez, je pense, parce que maintenant on commence à en parler. Mais c'est vrai qu'avant 1981, on était persuadé qu'il y avait, plus de fer dans les épinards que dans n'importe quel autre légume. Voilà. Et souvent, vous entendrez nos grands-mères nous dire « Mange des épinards, tu seras fort comme Popeye. » Ça, on me l'a beaucoup dit, ça. Hein, la croyance qui veut que ce soit les producteurs d'épinards qui est demandé à... qui est demandé aux producteurs de dessins animés, hop, tiens, toi, tu manges cher, toi. Paf, 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 paf. Bonhomme de neige, ah, t'es mort. Ah, j'étais surarmé, il pouvait rien faire. Donc, la croyance voudrait que ce soit les agriculteurs, en fait, les fabricants d'épinards, qui auraient fait pression sur le domaine de l'audiovisuel pour qu'on dise aux jeunes, aux enfants, que, tout simplement, les épinards contiennent plus de fer que les autres légumes, ce qui est faux. Hein, c'est totalement faux, c'est dû à une erreur d'écriture. Je vais m'arrêter là pour les épinards. Je vais vous parler un petit peu du jeu. Donc, vous avez vu l'histoire. Quelle est l'histoire du jeu? Merde, j'ai loupé. Je crois que j'ai loupé la vie. Non, je l'ai eu. L'histoire du jeu, tout simplement, c'est Brutus, alias Bluto, qui a entendu parler que Olive et Popeye avaient trouvé une carte au trésor dans leur grenier et étaient partis chercher un trésor sur une île, l'île au trésor. C'est très original. Avec toute la famille. Hein, avec donc le gros, c'est Horace, et le petit bébé, c'est Mimosa. Putain, j'avais oublié ça. Le petit bébé, c'est Mimosa. Et donc là, on sauve un par un les personnages de Bluto ou Brutus. Il faut savoir que normalement, c'est Bluto dans la version originale. Mais dans certaines versions françaises, Brutus s'appelle Bluto. Alors que c'est son nom original, mais la plupart du temps, on l'appelle Brutus. Et ici, même dans cette version, il est appelé Brutus. Alors que c'est une version US. Mais bon. On sait pas trop quel est le véritable nom. Il faut savoir que lors de ses premières transcriptions en France, Popeye s'appelait Mathurin.
Je sais pas moi. Mathurin, ça me fait penser à... Merde ! Ah, c'est bon, je l'ai eu. Putain. Mathurin, ça me fait penser à Saturna, le canard, en fait. Hop ! Là, ça commence à chauffer un petit peu en termes de plateforme. Hop là ! Alors, ici... Hop là ! Merde ! Et voilà, j'ai fait le con. Voilà, je fais n'importe quoi. Donc, vous le voyez, hein, Popeye 2, c'est un jeu de plateforme dans lequel on incarne notre marin qui n'a non pas deux, mais un seul bras surdimensionné. Vous voyez son... Ah, putain ! Je me l'ai fait avoir à chaque fois. Il peut sauter, il peut donner un coup de poing. Quand on reste appuyé sur le coup de poing et qu'on continue à marcher, on court. Un petit peu comme dans Astérix, d'ailleurs. Ou dans Mario, sauf que Mario donne pas de coup de poing. Et ce sera important de courir pour les phases de plateforme, parce que parfois on aura un petit peu de mal à faire des longs sauts, en fait, tout simplement. Notamment quand on est sur les cordes, c'est important, comme ici, c'est important de rester appuyé pour sauter plus loin. Vous voyez que là, j'ai un énorme point. Pourquoi ? Parce que j'ai ramassé des boîtes d'épinards. Ce qui est tout à fait logique. Et en fait, plus on ramasse de boîtes d'épinards, plus on a une barre de vie qui est grande, et plus on a un point qui est gros. À partir de 5 boîtes d'épinards, on a un point qui est gros. Et si on a la barre pleine, vous voyez en haut, hein, la barre est pleine, et en dessous de la petite horloge, j'ai une boîte d'épinards. Ça veut dire que je peux lancer des boîtes d'épinards en donnant des coups de poing. Ici, petite phase de plateforme, un petit peu délicate, mais pas trop. Et vous voyez, il y a des blocs qui cassent, et dans ces blocs, c'est là qu'on trouvera des boîtes d'épinards, des horloges pour le timer, une petite étoile d'invincibilité, merde, et éventuellement une vie. J'ai loupé une boîte d'épinards, c'est con. Les items ne restent pas en place, en fait, ils tombent. Hein. Donc il faut se mettre bien en dessous. Attention aux chauves-souris. Il n'y a pas énormément d'ennemis. Alors ça, c'est la porte secondaire. Ça, je ne voulais pas montrer dans les autres niveaux. Il y en a une par niveau. C'est un niveau bonus dans lequel on récoltera des diamants. Parce que je rappelle qu'on cherche un trésor. Donc on récolte des diamants qui nous permettent, au bout de 100, classiquement, on a une vie. Oula, attention ici. Je ne sais plus où il faut aller. Voilà, c'est par là. Alors ici, il faut faire très attention à ça. On va sauter là. Hop! Là, il faut courir, mais par contre, le truc, c'est que j'ai loupé les diamants. Donc, je vais pas y retourner. Hop, voilà. Ici, normalement, il faut aller chercher tous les diamants, comme ceci. Il y a sûrement des bonus là-haut. Alors, faut faire super attention au timer, parce que les niveaux ne sont pas linéaires, comme vous l'aurez remarqué. Il y a pas mal de passages qui permettent d'avoir des bonus supplémentaires. Et comme ils sont pas linéaires, on aura tendance à fouiller. Ce qui est une bonne chose, hein. Il faut pas hésiter à fouiller pour trouver les boîtes d'épinards. Alors ici, on peut pas passer. Donc, voilà, il faut tomber tout droit. Et on aura tendance à fouiller. Par contre, il faudra bien faire attention au timer. C'est super facile de perdre au timer dans Popeye 2. Alors, je vous teste le 2, je connais même pas le 1. Mais ça me paraissait plus logique de vous tester le 2, étant donné que c'est un jeu qui est sorti en Europe, au contraire de Popeye 1. C'est un jeu qui m'a été proposé au passage par The Metroid 54, qui est un de mes nouveaux membres sur YouTube, qui me suit assidûment et qui me propose pas mal de jeux. Alors, je vous dis pas que je testerai tout, mais franchement, ça fait partie des membres que j'aime bien, et je voulais lui faire plaisir en testant ce Popeye 2 qui m'a bien plu. Hein. Au départ, ça partait pas trop bien. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ouais, une licence type Popeye sur Game Boy, ça sent l'adaptation à la Infogrames, le jeu injouable ou un truc comme ça. Et en fait, non. Le jeu est super sympa à jouer. Il n'y a rien. Il y a ici, typiquement, un niveau où on peut se perdre facilement. Moi, j'avais un petit peu peur de tester ce Popeye 2. Pourquoi ? Parce que je pensais qu'on allait avoir droit à un truc à la Mickey, pas la Mickey, les Mickey c'est les seuls qui vaillent le coup, un truc à la Spirou, Tintin, des trucs un petit peu bâclés, et en fait pas du tout, on est sur un très très bon jeu de plateforme, et hop, deuxième porte bonus, donc ici très simple, il y a des endroits où il faudra faire attention parce que selon le chemin qu'on prend dans la salle bonus, on pourra pas récolter toutes les gemmes en fait, tous les diamants. Alors là je sais plus où il faut aller, ouais faut pas aller par là. Faut continuer comme ça. Et oui, donc voilà, The Metroid 54, très sympathique de m'avoir proposé ce Popeye 2. Alors, il m'a proposé plein d'autres jeux sur Game Boy, mais c'est des classiques.
Elle m'a proposé les Castlevania, elle m'a proposé Contra. Donc ça, comme je l'ai dit dans mes vidéos bilan, les classiques, ça viendra quand ça viendra. C'est pas une priorité parce que tout le monde les a fait, tout simplement. Voilà, je suis déjà à la fin du niveau. Merde! Déjà à la fin du niveau, et normalement, je sais plus si c'est le boss déjà, là. Non, il y a encore un niveau. Il y a un niveau avec le bateau. Si je dis pas de bêtises. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 niveaux dans Popeye. Popeye 2, je vais y avoir. Dans ce jeu, il y a 4 niveaux. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez court. Très sympathique, mais assez court. Ici, on a les fantômes. Alors, il faut faire attention à bien rester sur les mobs. Pourquoi? Parce qu'on a des fantômes qui balancent des os. Des os. Ils balancent des os et ils sont assez chiants, en fait. Pas les fantômes, les squelettes en bol. Donc, j'essaye d'éviter de rester en bas. Et il me semble qu'ici, la salle bonus, elle est... Putain, merde. La salle bonus, elle est planquée tout en haut d'un des moches, je crois. Si je me rappelle bien... Merde, ah, faut pas tomber. Hop, ah, y a pas... C'est pas comme s'il y avait un trou, mais... C'est un coup à se faire shooter par ces connards de squelettes. Alors, je ne sais plus si c'est pas par là... Non, y a rien par là. Et par contre, ce serait bien un peu plus loin. Hop, là j'ai failli me faire avoir. Donc vous voyez, dans l'univers, on reste cohérent avec l'histoire, c'est-à-dire qu'on, bon, bah là on est un bateau pirate. Voilà, les niveaux ressemblent pas à grand-chose. Il n'y a pas une énorme variété graphique dans ce jeu. C'est assez moyen. Il n'y a pas de fond, par exemple, de fond dessiné, de choses comme ça. C'est assez pauvre, mais le jeu en lui-même est assez efficace. J'aimerais bien shooter ces trucs-là, savoir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, là, faut que je me grouille, j'ai plus de 45 secondes au timer. Merde, voilà, j'ai fait le con, là. Et là, le boss... Alors, le boss, il n'y a pas de timer. Alors, le boss, il faut se mettre là, et bourriner. On dirait une espèce de figure de proue de Olive, en fait. Là, elle va réapparaître comme ça. Là, faut juste faire attention à ça. Et là, faut rester à peu près là. Et balancer des coups de poing quand elle passe. Voilà. Puis alors, quand elle fait ça, bah, il faut se barrer. Merde. Alors, il y a un petit problème de hitbox quand même, dans ce jeu. Ça va recommencer avec la Xbox. Il y a un petit problème de hitbox dans ce jeu. C'est que, bah, parfois, les boss, on va s'approcher un tout petit peu trop près. Et alors qu'aucun pixel n'est en contact, on va les toucher, tout simplement. Les boss, ils sont assez gros. Donc, c'est pas évident de les éviter, en fait. Il faut trouver le bon endroit. Ils sont simples, hein, les boss. Ils ont des patterns assez simples, assez prévisibles. Mais par contre, ils sont gros, donc parfois, ils seront pas évidents à éviter. À éviter de rentrer en collision avec eux. Donc, un petit niveau bonus. Toujours un niveau bonus au niveau 4. Sauf dans le dernier niveau. Donc, il faudra essayer de péter un maximum de blocs. Vous voyez, il y a des trucs cachés ici. Hop, là, je suis à fond. Je suis à fond d'épinards. Full of spinach. Je sais pas si ça veut bien dire grand chose. Là, j'en récupère encore un petit peu. Et la porte. J'aurais pu fouiller un petit peu plus. Si ça se trouve, il y avait une vie planquée. Donc là, vous voyez qu'on a sauvé. Au premier niveau, on a sauvé Mimosa. Au deuxième niveau, on a sauvé. Alors, c'est pas Horace, c'est Gontran. On a sauvé Gontran. Moi, j'étais persuadé qu'il s'appelait Horace. Petite musique sympa. Alors, au niveau des musiques, vous voyez, les musiques, elles sont plus ou moins variées. Un petit peu, alors elles sont pas mal dans leur thème, par contre elles sont un peu agaçantes dans leur sonorité. C'est vraiment du chiptune, c'est vraiment du basic Game Boy, quoi. Donc bon, après, c'est un jeu auquel on peut très bien jouer sans le son, si ça vous agace trop, tout simplement. Là, on va faire ça. Voilà. Vous voyez, mais assez simple de jouer à ce jeu. Là, je suis déjà au niveau 3. Niveau 3, qui est très important de bien conserver son gros point, notamment pour le boss. Parce que le boss, il va se jouer essentiellement à l'usure. Donc on prendra du dégât, mais si on a assez de vie, on tient et lui, il meurt. Et il faudra vraiment y aller à l'usure, parce que c'est pas évident d'éviter ces techniques. Alors ça, c'est un niveau un petit peu chiant. Pour autant que je m'en souvienne, c'est un niveau un petit peu casse-couille. Et des fois, il y a des petits soucis de... Hop là. Il y a des petits soucis au niveau des lianes, enfin des cordes. La façon dont Popeye s'accroche. Voilà. Puis des fois, je me gourde de touche aussi. C'est pas mal, ça. Mais j'aime beaucoup ce jeu. C'est assez... Ça détend.
Parce qu'il est vraiment il est pas dur. Il est pas trop simple, il est pas trop dur non plus. Faut une bonne maniabilité. Merde. Alors c'est bon. Saloperie de Piaf. Alors, du coup j'ai plus le... J'ai le gros point mais j'ai plus le... Hop là. Voilà, déjà fini. J'ai le gros point mais j'ai plus la boîte d'épinards. Alors je sais pas ce niveau là qui était chiant. Je sais pas, je me souviens avoir perdu pas mal de vie sur ce niveau là. Mais ça devait pas être celui-là. Alors graphiquement je vous ai dit c'est assez pauvre au niveau des décors. Par contre moi je trouve que le personnage de Popeye il est assez bien rendu. On le reconnaît vraiment. Surtout avec le gros point. C'est toujours du graphisme un peu mighty, un peu SD. C'est-à-dire que le point il est énorme, il est beaucoup plus gros que la tête de Popeye. Mais c'est vraiment sympa. Alors ici pareil, ça... Putain, il y a plein de trucs là de l'autre côté, j'aurais dû y aller. Tant pis. Ah ouais, ouais, ici c'est chiant. Vous voyez qu'il y a quelques petits ralentissements parfois. Donc ça c'est un peu pénible. Quand il y a des gros objets ou des choses comme ça, il y a des petits ralentissements. Ah putain, lui il va me faire chier le pirate là. Voilà, là je suis plein. Façon de parler, je suis plein d'épinards. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et surtout des épinards parce qu'il y a beaucoup de fer dedans. Tant qu'à faire, on va continuer à perpétrer la tradition populaire. Hein, même si c'est totalement faux. On va rester là. On va attendre. Hop. Vous voyez les petites cordes en transparence. Les petits effets stéréo sur la musique. Donc, la musique est vraiment sympa. On peut pas dire. Hein. Elle est sympa. Il y en a qui se répètent, mais elle est quand même variée. Je vous dis, ce qui est dommage, c'est que parfois, elle agresse un petit peu l'oreille. Mais c'est le côté chiptunes, c'est le côté 8 bits. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Donc là, c'est pas la peine d'y aller. Pour autant que je m'en souvienne, putain. Ah ça va, on peut péter le... On peut péter les barils. De toute façon, il y avait de la vie ici. On y va. Alors, il y a le connard en haut, là. Je pense pas que je vais le finir, mais je devrais aller quand même assez loin. Normalement, je devrais aller jusqu'au niveau 4. Je vais pas... Merde, bon, si je continue comme ça... On va pas y arriver, hein. Donc je soupçonne The Metroid 54 de m'avoir recommandé ce jeu parce que c'est un jeu qui est pas dur. Bon, le jeu est très sympa, mais c'est vrai qu'il est pas dur du tout. J'ai rien contre les jeux pas durs, hein, d'ailleurs, passage. Les jeux popcorn... Là, en plus, j'ai le machin, donc je vais pouvoir le bourriner, lui. Normalement, alors, je vais plutôt me mettre là. Alors, je vais attendre un peu. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a le gros point, on peut bousiller les flammes. Normalement, hop, ouais. Non, bah pas celle-là. Voilà, je l'ai eu. Là, ça va. Ce boss-là, vous voyez ce que je vous disais, c'est à l'usure. C'est-à-dire que si on arrive là, sans gros points et sans boîte d'épinards, on doit se coller à lui et on a intérêt à avoir une bonne barre de vie pour pouvoir le battre, quoi. Et là, on croit qu'on a sauvé Olive, mais pas du tout. Il y a Bluto qui est venu la rechercher et c'est pour ça qu'on va avoir, après le 3-4, on aura le niveau 4. Donc ici, c'est un niveau... c'est un niveau de bonus, mais en aquatique. Il y aura quelques bonus à récolter, notamment des diamants. On va se faire plaisir. Et oui, faut se dépêcher, on a 66 secondes pour le faire celui-là. Je vais essayer de faire le plein d'épinards. Franchement, c'est un petit jeu sympa, hein, un petit jeu de plateforme sympa. Mais vas-y, file-moi des épinards, merde. Y a pas des épinards là-dedans. Bon, ok. Celui-là, peut-être. Ce serait quand même un comble de mourir au timer sur un niveau bonus. Je crois que c'est ce niveau-là où il y a une vie qui est planquée dans un petit carré. Alors là, ici, Popeye, évidemment. Ça, c'est un classique. Hein. C'est une sorte de tradition sur Game Boy. Vous voyez, ici, sans ce bloc-là, il y a une vie. Et j'ai 12 vies. J'ai perdu qu'une seule vie depuis le début de cette partie. C'est très bien. Ça me fait plaisir. Hop, allez, on continue pour le fun. Vous voyez, un jeu très sympa. Par contre, vous voyez, là, on reprend sur une musique qu'on a déjà entendue. Merde. Vous voyez, ce qui est délicat, c'est que quand on court, il faut avoir le réflexe de lâcher la touche pour frapper, pour pouvoir donner de nouveau un coup. Sinon, on a une sorte de petite latence, et on se fait toucher à ce moment-là. Mais la hitbox est globalement meilleure que dans un Astérix, par exemple. Ça, c'est clair. Hop. Et puis bon, le mode course se maîtrise beaucoup mieux. Vous voyez là, j'avais le bon timing, je suis tombé sur lui, et j'ai réussi à lui donner un coup de poing. Alors ici c'est vraiment un endroit pour faire le plein d'épinards. C'est un champ d'épinards, ici.
bim, 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 bim. J'aime beaucoup, ça défoule. On se sent quand même puissant avec ce gros point là. Alors là par contre, vous voyez ici, c'est un cul-de-sac. On aurait dû monter sur les palmiers. Donc on va le faire. Hop. Hop, parce que la porte elle est tout en haut. Et là, voilà. Ah non, c'est bon. Ah merde. Ça c'est con, ça, vous voyez, j'ai perdu mon gros point. C'est pas grave, on recommence. Bon, j'ai le temps, hein. J'ai encore quelques secondes, quelques dizaines de secondes au timer. Hop. C'est parce qu'il y a ce connard de piaf là. Hop. Bien, bon, c'est bon. On est obligé, soit on se fait toucher, soit on arrive à l'avoir, mais au moins on passe. Et je crois que c'est le niveau d'après qui est une caverne assez labyrinthique, et je pense qu'on se laissera là-dessus. Vu que ça va me... Je vais quand même... À mon avis, je vais perdre à cet endroit-là. Celle-là ou celle d'après, je sais plus. C'est quel niveau, ça? C'est le 4-2, le 4-2, le 4-3, je sais plus lequel c'est qui est chiant. Merde. Alors là, ici, faut faire attention parce qu'il y a la... Je crois qu'il y a la porte qui est pas loin. Pas la première porte, hein, la deuxième porte. Merde. Non, il faut descendre ici. Je m'en rappelle, il faut descendre. La première porte, elle était là. Là, il faut descendre le plus bas possible parce que ça se trouve en bas. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des pics, des trucs comme ça. Voilà, comme là, hein. Si j'étais descendu tout droit... J'étais droit dans les pics. Les pics, quelques ennemis. Alors les niveaux sont pas spécialement super peuplés, mais bon bah au moins on n'a pas d'ennemis casse-couilles. On a quelques ennemis type des oiseaux, des choses comme ça. Vous avez vu hein. Mais globalement le jeu est bien fait en termes de level design. J'aime bien. J'aime bien, c'est ça se joue bien. Je dis tout au plus cette musique là est un petit peu agaçante. Mais je fais n'importe quoi. Moi, j'ai plus que deux boîtes d'épinards, il faut que je fasse attention. Là, c'est même plus une question de puissance, c'est juste que je peux mourir. Alors, ici... Hop. Waouh. Voilà, on l'évite. Hein. Vaudra mieux éviter la confrontation de temps en temps, parce que... Si on peut éviter de se faire toucher, c'est encore mieux. Alors, ça c'est n'importe quoi, ce que je viens de faire. Et je crois qu'on n'est pas très loin de la porte... Non, c'est encore après. Alors là, c'est un passage à la con. C'est un passage à la con parce qu'on est obligé de se faire toucher. On n'a pas assez de place pour tomber devant le petit lézard là. Alors là, tout à l'heure, je suis allé là, je me suis fait avoir. Je vais pas y aller. Je vais plutôt aller là chercher des bonus, notamment ah putain, non c'est bon, notamment mon gros point. La taille de ce point, c'est quelque chose. Là, on peut pas y aller. Et je crois que c'est. Fallait passer avant pour avoir la porte. Fallait passer avant. Allez, on continue. Et puis, ouais, on va. Hop là, merde, voilà. Le piège à con. On va se laisser là pour. Putain. On va se laisser là après pour ce test de Popeye 2. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Merci à Super Metroid. Merci à ZMetroid54 de me l'avoir proposé. Et puis voilà, hein. Là, vous voyez, c'est chiant. C'est un petit peu chiant, là. Hop. Ah, ça ira peut-être mieux avec le gros point, là. Voilà. Voilà, là, ça va tout de suite mieux. On récolte du temps. Ça, je sais pas si je vous l'ai dit. On peut récolter des horloges aussi pour augmenter le timer. Là, faut pas hésiter. En fait, quand on y va, faut y aller, mais faut taper en même temps. La frame d'invulnérabilité est vraiment très courte, hein. On peut se faire toucher à la chaîne si on fait pas attention. Hop. Je sais même plus si c'est par là. Ça, c'est un niveau, par exemple, au niveau du timer, ça va. C'est assez facile de perdre au timer, hein, ici. La première fois, de toute façon, on perd au timer parce qu'on sait pas du tout où est la sortie. Hein. On va essayer de passer de l'autre côté. Je sais pas si c'est par là. Je suis déjà passé par là tout à l'heure. Oh là là. La loose. Tiens, viens. Merde. Viens là, toi. Ouais, d'accord. Alors, le bruit quand on se fait toucher, vous avez remarqué, cette espèce de bruit de choc électrique, c'est très pénible. Ça, c'est peut-être un des seuls défauts du jeu. Ça et le fait qu'il soit quand même, bon, simple. Vous voyez, pas trop, parce qu'il y a des niveaux qui sont casse-couilles. Hein. Alors, je recommence comme tout à l'heure. Vous entendez ce bruit horrible? Et voilà.
ce bruit affreux, et aussi le bruit quand on meurt, hein, c'est assez terrible. Mais bon, un bon petit jeu de plateforme que je vous conseille sur Game Boy. Sympa à jouer, sympa à prendre en main. On va pas passer par là parce que c'est chiant. Sympa à prendre en main, sympa à jouer. Je vous le recommande. Merci à ZMetroid54 de me l'avoir proposé. Merci à vous d'avoir suivi ce test de Popeye 2 sur Game Boy. Test et explication sur l'univers de Popeye, que j'aime bien. J'aime bien Popeye. Merci à tous, c'était Doc McCoy. Salut! I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm drunk to the finish, cause I eat me finish. I'm Popeye the Sailor Man. I want some gazookas, which hates all palookas, but hates honey up and square up. Why biffs and I bottom and always I've roughed them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to risk me fist, it's pop and it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man.